1, je pourrais commencer la vidéo là. Bonjour gens de l'internet, je m'appelle Icons, aujourd'hui j'ai mes putains de grades et tout. Oh attendez, j'y vais. Ça fait 3 jours que je me connecte, ok. Et je prends ma EpsiGif, donc on va aller ouvrir ma EpsiGif encore une fois. Qu'est-ce qu'on aura aujourd'hui? 3, 2, 1... Oh! TNT, Under Chase, on a la même chose qu'hier. Même chose que hier dans ma EpsiGif. Vraiment un serveur bâclé. Je dis moins 1. Bon, pardonnez-moi, fallait que je taquine un peu mon ami Kebab. Donc ouais, en fait les amis, on a quelques clés. On a une clé du Giver, 2 clés Diamond puis une clé Emerald à ouvrir. On va ouvrir ça maintenant. Et j'ai aussi 2 spawner d'Iron Golem. Donc on ira faire une farm ou quelque chose plus tard. Si j'avais jamais regardé mon Under Chest, en fait ça doit être l'abonné fidèle qui a dû mettre ça, tout ça là. En fait, je vais regarder la blaze hole. Collector. What? C'est quoi ça? Collector ouverture 04. C'est quoi ça, Kebab? Look, mon inv. Le truc en mail. C'est marqué collector ouverture 409. C'est quoi ça? C'est quoi ça, yo? What the fuck? On a pris pour un random. Oui, t'es un random, yo. Je rigole, c'est bon. Panique pas, panique pas, panique pas. Ok, Fire Res, des diamants. C'est cool, c'est un item qu'on a give aux joueurs qui étaient là, l'ouverture en souvenir. Ah, ok. Ok. J'étais pas là, mais ok. J'étais pas là, mais j'étais quand même eu. Ok, on va mettre les deux spawner golem là, on va mettre ça là, on va mettre ça là, avec ça, parfait, génial, génial, tout ça là, parfait. Faut juste que je me vide dans le fond les amis, parce qu'on va ouvrir des clips, je sais pas. Il est sérieux? Merci gros! Merci. Bon ben, déjà, il me donne des trucs. Ok, c'est super génial, méga cool. Voilà, ça on va acheter ça, on a des fortune 2, ok, on va garder la... Donc, on va faire ça plus tard. Donc, on va l'ouvrir les clés qu'il nous donne. Qu'il nous a donné notre ami Kebab de l'internet. Donc, on va ouvrir la clé Emerald en premier. Qu'est-ce qu'on va obtenir, les amis? S'il te plaît, un full P4 ou un spawner à. Ok, spawner à zombie! Ah, j'aime bien l'animation que ça fait quand on ouvre une clé. On va ouvrir une clé du Give All. C'est quoi que ça fait? Ok, c'est un troll. C'est un troll. C'est un troll. Pouf. Wow. Je suis triste. Vraiment triste. On va ouvrir la diamant maintenant, les amis. J'espère qu'on peut avoir une pioche quand même assez bien. Des diamants. Si je sais pas, mais on peut avoir des diamants. On va rouvrir encore. J'espère qu'on peut avoir quelque chose. Full P2. On prend la full P2, les amis, on est tout nu, fait que ça va faire... Oh shit, on va lui donner à lui. Tiens, prends ça, mon beau. Moi, je vais prendre la full P2. Merci, mon très cher ami. Donc, on va mettre notre spawner à zombie ici, spawner à ça ici. On a quand même un peu de stuff, quand même, hein. On va pas se le cacher si on n'a pas tellement besoin. Ça non plus, ça, bon, okay, on va la prendre quand même au cas où. Mais bon, voilà. On va... Tu as accès au slash clef. Ah, ben oui, toi. Oui. Tous les 6 jours. Et là, c'est quoi? C'est une clé en émeraude? Ok. Oh, on peut la rouvrir non? Allez, salut! Oh! Je pensais que ça allait me donner une full P4, les gars. J'étais genre... Oh! Trop content, mais là... C'était juste 4 blocs de diamant. Je vais pas réagir, les amis. On est déjà très très bien dans ce département. J'espère que j'ai foutu un home la dernière fois quand j'étais en train de m'éloigner. Please. Yes! Ok, je me souvenais plus. J'étais genre, oh my god, j'espère que j'en ai mis un, sinon j'ai vraiment l'air con. Je vais continuer à m'éloigner un peu, je vais poser des codes, puis on fera nos kits, voir qu'est-ce qu'on a dans les kits, les amis. Fait que je vous dis à tout de suite. Ok, j'ai en internet, je viens de trouver une façon comment faire des coffres anti-pillables par un X-ray. Donc c'est très simple. J'ai été avec ma logique, je me suis dit, avec les X-ray, on voit du fer. Donc, par exemple, on arrive avec notre X-ray, on voit du fer comme ça. C'est assez suspect, j'avoue. Laisse tomber, mon plan marche pas. Mais si vous faites un truc pas suspect, c'est un maraboutage. Non, c'est un anti-coffre X-ray idiot.
Comme ça, regardez, exemple, vous voulez cacher juste un coffre, ok, par exemple, contre l'anti-X-ray. Vous faites ça, 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 comme ça, puis vous mettez votre coffre, par exemple, ici. Ok, mettons qu'on veut mettre notre coffre là. Hop là. Hop là. Calais, je sais pas mettre mon coffre. Voilà. Voilà. Et là, regardez, ça paraît beaucoup plus sain celui-ci. Et là, vous êtes le seul à savoir ce qui est votre coffre. Bon, faudrait juste pas le dire que j'ai X-ray parce que je veux pas me faire bannir quand même. C'est mon serveur préféré, donc s'il vous plaît, soyez gentil, dites-le pas. J'ai tombé dans une faille. Et je suis mort. J'ai tout perdu. Repose en paix. Raconte. Je t'aime. Bisous. Bon, ben on va en profiter pour faire nos kits. Donc, on a le kit potion donateur. Donc, on va faire directement du plus mauvais au plus bon. Donc, guerrier qui est le kit de base qui nous donne tout ça avec des patates, potions de speed, canne à pêche et pommes d'or. Donc, on va jeter ça. On va juste garder les patatos. Ensuite, on a le kit bouffe qui nous donne du steak cuit. Super. On s'en bat les couilles de ça. Ensuite, on a le kit héros. Héros. Ah, ok. Est-ce que je suis attardé mental? Heroes qui nous donne full diamant avec une pioche efficacité 1, des pommes comme ça. Ok, au calme. Ensuite, on a le kit Dieu qui nous donne un full P1. Donc, quand même pas si cheat que ça. Ouais, on va regarder ça dans notre truc comme ça. On va mettre ça dans notre under chest. Non, on va pas le mettre dans notre under chest, les gars. On a autre chose à foutre. On va jeter là. Quelqu'un pourra venir le récupérer s'il le souhaite. Donc voilà. Ensuite, on a le kit olympien. Je sais pas qui a trouvé les noms pour ça, mais vraiment de la grosse merde. Donc, full P2. On va regarder le full P2. Efficacité 3. Une pop cheat! Oh my god. Oh my god, on a des trucs, on va aller faire une femme à Iron Golem puis tout après, ok? Ok, voilà. Et le dernier kit qui est le donateur. Ouch. Ouch, ça fait mal. Ouh là 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 là, je suis pas trop pour ça, les amis. Je trouve que c'est vachement OP. Parce que là, ouch, c'est vachement OP en fait. Hein. On a tous les commentaires qui est donateur. Tous les deux jours. Et les autres kits, le Olympien, on l'a tous les... On l'a tous les trois jours. Ah, ok. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Au moins, on a deux œufs de Creeper. Ça, on pourra s'en utiliser pour piller des factions. Tiens, on va lui donner du stuff à lui. On va lui donner tout ça, tout ça. On va quand même garder une pump sheet. Ok, de rien. Et il nous reste quoi comme kit? Potion... Ok, ça me donne seulement quelques petites potions. Donc, super, ben, on va aller faire une farm pour notre Iron Golem pour avoir un peu d'argent, puis commencer à faire des coin flips, puis je vous dis ça à tout de suite. What's up, gens de l'internet? Donc, après 10 heures d'avoir creusé mon truc avec la fortune 2, vu que j'avais aucune efficacité, j'ai mis de l'eau, il me reste juste à poser mes spawners, donc, que j'ai dans mon under chest. Je vais mettre deux spawners Iron Golem, donc un là et un ici, voilà. Et là, ici, il va nous en rester deux. Normalement... Ils vont se diriger tout seuls là-dedans. Et là, ici, il y aura de la lave. Mais pour l'instant, je suis trop pauvre pour avoir de la lave. Donc, je vais aller chercher de la lave. Et je vous reprends tout de suite après, les amis. Oh, j'entends de la lave ici. On va monter le son. Oh. Elle est au-dessus, je pense. Attends, elle est par là. Ah, voilà! Petit X-ray qui passe crème, genre l'internet. Juste baisser la musique. Voilà. Ok, on a deux sauts de lave. Tac, 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 tac. C'était mon trou de mine tantôt pour aller chercher des blocs. Vous vous en souvenez. Vous étiez présent. Très cher, genre de l'internet. J'ai bu une potion de fire résistance. Je ne voulais pas mourir. Donc, voilà. On va juste reboucher pour pas se faire retrouver. Voilà. Accept. Don't. What the fuck? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu rec. TP toi dedans. Pour l'instant, je vais attendre. Je vais passer mon tour. De toute façon, faut que j'aille miner du fer. Message Tiger. Tu as du fer pour moi. C'est un mon ami, donc voilà. Ne vous inquiétez pas. C'est un ami. Faudrait mettre des hoopers là. Je rigole pas. Tu peux me TP.
Je vais faire des coffres. Boum boum. J'ai pas beaucoup de bois non plus, hein. On va pas se cacher. J'ai pas comme kit ici. J'ai-tu des kits de construction? Non, il y a. Oh oui, j'ai kit builder! Yes, sir, motherfuckers! Ok, parfait. Donc, au moins, on a du bois, on a des trucs. Je savais même pas que j'avais ce kit-là. Avoir su plus tôt, je l'aurais sûrement utilisé. Ok, comme ça, je pourrais voir si les spawners spawnent bien, etc. Donc, ça, ça va moins me stresser. Tac, 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 tac. Voilà, voilà. T'as cru que je vais te TP dans ma base? Hey, petit coquin. T'es un fin fino, toi, hein? Merci, plus ça. Donc, je vais faire des hoopers maintenant. Ok, donc on va faire tac, 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 voilà, voilà. Ok. Voilà. Voilà, je suis fucking concentré quand je joue à Minecraft, les gars. Soyez pas jaloux de ma concentration, s'il vous plaît. Comme ça, parfait. Et là, maintenant, il faut juste faire ça comme ceci. Voilà. Boum, badaboum! Comme ceci. Comme cela. Ensuite, il faut remplir ça ici. Il faut mettre des trappes de chest et des coffres normales comme ceci. Donc on va commencer par des coffres comme ça et des coffres message Tiger MDR, tu as des coffres trip truqué, comment on écrit truqué? Dites-le moi dans les commentaires, dites-le moi dans les commentaires. Comme ça on a notre truc à deux spawners de TP toi dedans, TP bouteille. Non, des os. Tu sais comment faire? Je sais même pas comment faire, les gars, sincèrement. On est prêt à le tuer, s'il faut. C'est bon. T'es où? Derrière, quoi. C'est cool parce qu'on peut voir le pourcentage de vie. Donc, dans un fight ou quoi que ce soit, quand on va aller fight un peu plus tard, les amis, dans l'aventure, on pourra voir. Oh, merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. Oh, merci beaucoup! Merci beaucoup! Merci beaucoup! Merci beaucoup, mon ami, ça fait plaisir. Il veut un screen, on va prendre un petit screen avec lui. Petit screen comme ça, screen des familles. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Au revoir. D'ailleurs, je sais pas comment faire des coffres truqués, donc je vais faire la technique de lâche. Je vais faire... attends, j'ai-tu du bois? Ouais, j'ai un peu de bois ici. On va prendre du jungle wood, je vais vous montrer, on va faire la technique de l'arche MD. Esti que ça fait pas faire pitié, mais bon, c'est pas grave, c'est mieux que rien. Donc, on va faire premièrement ça pour que ce soit beau gosse, tu vois. Tac, 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 tu fais genre ça. Ensuite, ici, on va mettre des escaliers plus tard. Bref, on fait un coffre. Boum. Boum. Boum, ok, parfait. Comme ça, et là la technique de l'âge c'est comme ça, tu fais ça comme ça, tu fais ça comme ça, whoopalai, whoopalai, voilà. Là tu peux toujours voir tes spawners ici, mais là on va cacher ça correctement, pour que ça soit beau gosse, vous allez voir, tac tac, En fait, je suis en train de réfléchir, on va pas faire ça comme ça. Je vais essayer de trouver un design, je vous retrouve tout de suite après. Ok, j'ai trouvé ça comme design, je sais pas, c'est pas si beau que ça les gars, mais disons que c'est mieux que rien, hein, j'ai envie de vous dire. On va juste essayer de remplir toutes les petites cases du truc pour essayer de que le faire se stack. On va prendre ça pour le coffre de l'autre côté. Et pourquoi celui-là il se stack pas là-bas? Ok, c'est bon. Donc, voilà mes très chers amis. On va faire ça la même chose ici.
Et ça va compléter notre épisode d'aujourd'hui, les amis. On aura fait un spawner. Dans le prochain épisode, on va sûrement faire spawner zombie de ce côté-ci pour pouvoir farmer un peu d'XP et puis continuer à décorer la base. Si la vidéo vous a fait plaisir, les amis, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu en espérant que celle-ci vous a fait plaisir. Aussi, oh, pourquoi pas faire un petit coffre caché. Je vais aller faire un petit coffre caché, en fait. Et je vais vous retrouver après. Qu'est-ce que je vais mettre dans le coffre caché? Je vais mettre le spawner. Je vais mettre œuf de creep, deux œufs de creep, punch sheet. Je vais mettre un peu de trucs que j'ai dans mon under chest. Donc je sais que c'est un petit coffre caché pas trop bien. Mais j'ai pas beaucoup de stuff, les amis, vous comprendrez. Mais j'ai quand même envie de vous faire un petit coffre caché. Donc je fais ça rapidos. Je fais un coffre. Boum, 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 badaboum. Je m'en vais au spawn. Je pense qu'il y a un système de random TP, si j'ai compris. Un truc dans le genre. Donc on pourra directement se téléporter aléatoirement. Je vais mettre le coffre, mettre tous les trucs que j'ai besoin de mettre. Donc c'était ici, j'ai vu tantôt qu'il y avait un random TP. C'est où? Y'a où le random TP? Non, non, y'a pas de random TP. Ok, bon ben y'a pas où est le random TP? Ah là, il vous faut une clé pour faire ceci. Ok, comment une clé? Calice de fif. TP, toi, tu vas voir. Comment on utilise cette affaire-là? Ok, je vais essayer de trouver une solution. Genre, ok, les amis, on a corrompu un modo. J'ai corrompu Evil Delta. Il va nous téléporter à la Warzone. Et nous allons pouvoir, après la Warzone... Et nous allons pouvoir poser un coffre. Donc je vais mettre un spawner de zombies, deux œufs de creeper, deux pump cheat, toute l'armure que j'ai sur moi, l'armure là, 5 blocs de diamants, tout ça. Puis en espérant que cela fonctionne bien. On va se taper au fif de Evil Delta en espérant qu'il accepte bien sûr. Et que nous puissions poser notre coffre secret, magique, fun et HD. Ok, on voit un petit cheater ici. Donc on va cacher directement le coffre 3 de profondeur. En fait, on va descendre un peu plus jusqu'à temps qu'on trouve du fer. Parce que je sais que les extraits vont venir et ils vont le trouver alors. Fait que je vais descendre directement en ligne droite et je vais vous... vous le dire quand je vais le poser. Comme ça, je vais le poser en bas. Comme ça, c'est genre... Comme ça, j'espère qu'un de vous au moins va le trouver. Donc, il faut juste trouver du gravier, du fer, puis je vous refais. Ok, yep. Il y a du fer ici. Donc, comment qu'on va s'arranger, c'est qu'on va mettre le coffre genre là. On va mettre... ok, ça va être un peu mal pour mettre le coffre, mais on va essayer de faire de notre mieux. Ok, comme ça. Il y a-tu d'autres fer en dessous là? J'espère qu'il y a deux. Yep, il y en a deux. Parfait. On va mettre sur de même. Tac, tac. On va mettre le coffre ici. On va mettre les 5 blocs de diamant. Mon full P3. Tac, tac, tac. Voilà, mes amis de l'internet. Mon full P3. On va ensuite mettre un... Bon, désolé, le chien du voisin s'était rendu dans ma maison, à ce qui paraît. J'ai pas trop compris, en tout cas. Je vais mettre le spawner au milieu. Non, je suis sérieux, le chien du voisin s'est vraiment rendu dans ma maison. Je sais pas comment il a fait pour rentrer dans ma maison. Mais, bizarre, il a réussi. Donc, technique, si vous savez comment il a fait, laissez un commentaire. Donc, on va mettre 4 TNT là. On va mettre 2 dans chaque coin, parce que je suis trop pauvre pour... je suis trop pauvre, fait qu'on va en mettre 3 dans chaque coin. Tac, tac, voilà. Comme ça, on va mettre 2 under chest, on va mettre des patates, donc genre 15 patates et 9 carottes, voilà, on va drop 7, boum boum, boum boum, et on va drop 3 diamants comme ça les gars. Sur ça, ça va être le coffre caché, je vais mettre le bout de fer au-dessus, oh c'est vrai, il faut aussi le mettre sur le côté ici les amis, le bout de fer là. Le bout de fer sur le dessus pour l'anti-X-ray. On rebouche avec de la cobblestone. Je vous montre les coordonnées vite fait. Donc en moins 466 et moins 39. Je vais demander à mon ami... Ah non, je vais juste partir d'ici en fait les amis. Donc je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Si la vidéo vous a fait plaisir, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est Tycons. Peace.